Sarah Fraiseau. Ah, non, c'est Fraiseau. Pas elle. C'est pas elle. Sarah Fraiseau. C'est Sarah Fraiseau. Mmh. Exactement. Tricheuse. Est-ce que vous voulez voir quel placement Sarah Fraiseau a fait qui mérite qu'on s'arrête dessus? Bien évidemment. La base. On découvre. On vous en parle après. Coucou ma belle. C'est pour ça que je conseille ce site-là pour ces combinaisons-là. Moi aussi, j'ai fait la même erreur. J'ai voulu payer beaucoup moins cher. Et pour le coup, à partir de la deuxième séance, ça avait craqué les gris là. Celui-là, il est beaucoup plus solide. Comme j'ai dit, encore une fois, je ne suis pas rémunérée. Ce n'est pas un placement. Les amis, je suis pas encore en collaboration encore avec cette marque, mais sur leur site, c'est pour ça que je vous le partage, il y a déjà moins 50%. Donc profitez un max. Je suis désolée vraiment, j'aimerais tellement collaborer avec eux. Vous êtes beaucoup à m'avoir redemandé le site de ce haut, de haut et bas, parce que c'est ensemble de Sudation. Je vous ai mis le site. J'ai pas de code promo, je suis désolée, mais sur le site, ils font déjà un code promo. Vraiment, là, c'est pour vous. Alors, moi aussi, j'ai trouvé une nouvelle technique, les filles. Et c'est pas du tout un code promo. Je vous assure, je le fais vraiment par charité. Vraiment pour toutes les ajatrices et tous les ajateurs. Ça coûte que 80 centimes au supermarché. Donne-nous ton secret. Nouvelle ceinture de Sudation. Oh. Le cellophane. Et en plus... Pourquoi t'as mis un morpion de... Non, avec un marqueur à 1 euro, tu peux avoir des abdos. Je t'assure, parfait pour préparer ton summer body. Mais je veux. Ah ouais, on dirait une volaille, je me trouve obèse. Ah non, mais je veux. T'as maigri, hein, mais t'as grave maigri. C'est vrai. Non, mais pour ouais, de vrai, bah oui. T'aurais jamais osé. Et pour 80 centimes. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Mais tes abdos, ils sont magiques. C'est beau, hein. Ouais. Ouais, mais on valide. Pas cher, 80 centimes. C'est pas cher. Bon, allez, plus sérieusement, parlons de cette story de Sarah Fraiseau. Qu'est-ce que vous relevez dans cette story? Alors, on parle français? Oui. Non, anglais avec ça. Non, anglais avec ça. Ah oui, avec ça. Ah, oui. Ok, so. Non, on va le faire en français. Allez, on a un groupe WhatsApp sur lequel on s'envoie des informations, d'accord? Et moi, je vous ai envoyé ça il y a longtemps et je vous ai dit, mais c'est bizarre quand même. Sarah Fraiseau, elle fait la promotion d'un produit gratuitement. Ouais. C'est du bon, les jours ont passé. Mais c'est bizarre. Sarah Fraiseau, elle fait encore la promotion d'un produit gratuitement. Ça, c'est ça, mais raison, c'est bizarre, ça fait deux mois. Mais oui, ça c'est bizarre. Comment elle est gentille. Et en plus, elle fait des stories où elle dit « Je suis désolée, j'ai pas de code promo, j'aimerais beaucoup collaborer avec eux, mais ils ne me répondent pas. » Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Je les ai eus. Et j'ai un code promo pour vous. Sans déconner, mais franchement, gros foutage de gueule. Surtout que quand tu cherches un petit peu sur la marque de... La marque de cette combinaison de Sudation. Ouais, exactement. On s'est rendu compte de quoi? Qui s'est rendu compte de quoi? Bah déjà que ça faisait pas longtemps que ça existait, que c'était basé à Dubaï. Voilà, alors déjà la marque, elle est immatriculée à Dubaï, comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard, voilà. Pas d'impôts, rien. Quand on va sur le site officiel de la marque, bon, c'est vrai qu'il y a une multitude de fautes d'orthographe. Donc, en termes de sérieux, bon, c'est vrai que de prime abord, comme ça, on n'a pas un sentiment de confiance ouais. Quand on voit ce genre de choses. Et c'est vrai que dans les mentions légales, alors écoutez bien. T'as trouvé des mentions légales? Oui. Oui. Okay. Oui, oui, oui. Alors, des mentions légales, pas très légales. OK. Voilà. Et elles sont là quand même. Il est stipulé que ces mêmes mentions légales, écoutez bien, peuvent être mises à jour régulièrement et que c'est la responsabilité du consommateur de les relire le plus souvent possible. Ah, mais c'est notre faute. C'est ta faute à toi. Bien sûr. Donc, en gros, presque, on a l'impression que c'est préparer le terrain pour une potentielle rac-tac, je te... Voilà. Rac-tac, Tac, tac, tac. Rac, tac. Ouais. Ça veut dire rac, quoi? Je te rac et je te tac. Et je tac. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous, en tant que consommateurs, on doit tous les jours aller sur le site pour savoir si tout va bien. Mais peut-être même toutes les heures. Oui, oui toutes les secondes. mais ça peut être possible. Mais alors, concrètement, par contre, et c'est interdit. Et tu dis que tu as trouvé les mentions légales, pardon, mais comment t'as fait déjà? Parce que quand tu vas sur Google et que tu tapes le nom de la marque, tu ne le trouves pas. Il faut taper. C'est vrai. Il faut taper tout. Pardon. Oui, bah non, parce que moi c'est comme un ventriloque. Je suis derrière et je fais les exactement, elle a lu en moi voilà. Et elle veut alors vas-y, je t'en prie. Moi. Je dis non, c'est parce que c'est vrai, tu dois taper sur le lien URL. Bah c'est pas normal. Et pas sur Google. Tu vas sur Google, tu tapes le nom, normalement tu tombes dessus. Non, il faut aller sur le lien URL, taper tout le nom de la marque. Donc déjà là, tu dis, il y a un problème. Et alors, qu'est-ce qu'on a découvert sur le compte de la blogueuse Marie Spy? Qu'est-ce que vous avez vu, les filles? Qu'est-ce qu'elle a posté, Marie Spy? Marie Spy, elle a le même avis que nous, je pense. Oui. Elle dit surtout que la marque appartiendrait surtout à Sarah Fraiseau. On vient pas de le dire? Non. Non. Eh ben, je vous l'apprends.
on pense non, mais, sérieusement. Non, reprenons notre sérieux 2 minutes. Oui. On rigole, c'est normal, ça fait rire, ça crée des rictus. En fait, mais c'est une probabilité, Anissa, que la marque appartiendrait à Sarah Frézou? Est-ce que ça légitimiserait la technique de... en fait, c'est pas une collaboration, parce que c'est à moi. C'est ça. Et oui, bien évidemment, et c'est grave crédible parce que c'est pas la seule qui le fait. Ça fait longtemps que je vous le dis, que beaucoup de candidats télé-réalité ont leur propre site et ne veulent pas dire que ça vient d'eux parce que comme ça, s'il y avait un petit problème, ils se dégagent de toute responsabilité. Simplement, là, comme dit Marie Spy, elle dit que c'est vrai que Sarah... Elle fait la promotion comme si c'était pas elle. Et moi, je trouve que c'est quand même, ça se fait pas vis-à-vis du public parce qu'elle elle rajoute des détails. Elle peut très bien le faire sans parler, sans rien. Elle dit que la marque lui fait confiance, que vraiment c'est un truc de fou. Enfin, c'est du blablabla comme dit Marie Spy. Et je trouve ça vraiment foutage de gueule. Bon, après, c'est selon Marie Spy, on a le droit de se faire une idée. Quand on voit autant de déconvenues sur un site, dans les CGV légales, les conditions légales qui ne sont pas très légales, quand on voit une influenceuse dire je le fais gratuitement, tout ça, c'est légitime. Qu'on se pose toutes ces questions. Oui, surtout qu'on se pose des questions après 166 liposuctions, on comprend pas pourquoi chercher encore une nouvelle technique pour maigrir. Je veux dire, ça, c'est la vérité. La semaine dernière, on parlait justement, la semaine d'avant même, on parlait du fait que son frère avait justement une agence de tourisme médical en Tunisie. Je veux dire, elle est quand même bien placée là-dedans, tu vois. Pourquoi ces liposuctions, elles fonctionnent pas? Nous faire croire que ça va être grâce à cette combinaison miracle qui fait suer qu'elle perd du poids, encore une fois, c'est un manque de cohérence. Alors, question à 1 million. Cette combinaison qui fait suer, qui fait sortir beaucoup d'eau du corps, est-ce que ça, le fait d'enlever l'eau comme ça du corps, est-ce que ça fait vraiment perdre du poids? Eh bien, figurez-vous que j'ai posé la question à Alice Hussonnois. Vous vous rappelez d'Alice? Diététicienne, nutritionniste spécialiste en troubles du comportement alimentaire, qui s'était d'ailleurs, pour le coup, c'est le hasard, sur un précédent post de Sarah Frézou. Elle nous a partagé son expertise. Elle a répondu à cette question, regardez. Concernant les combinaisons de sudation pour perdre du poids, alors déjà pour parler de l'inefficacité du produit, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire qu'on vous conseille de le porter pendant votre séance de sport parce qu'effectivement, c'est bien la séance de sport qui vous fait perdre du poids et de la masse grasse et non pas le fait de transpirer. Le fait de transpirer et de perdre de l'eau, ça entraîne des légères variations de poids qui résultent du coup d'une fluctuation des liquides du corps. Donc c'est pas une perte de poids sur le long terme, c'est pas du tout une perte de masse grasse et c'est facilement récupérable quand vous allez reboire de l'eau, refaire un repas. Donc déjà ça ne fonctionne pas, ça coûte cher. Et en fait il y a un côté je trouve très malsain qui fait que effectivement en fait ça s'adresse à des personnes en recherche de perte de poids qui sont souvent désespérées, en conflit avec leur image corporelle, avec des troubles de l'apparence corporelle, une baisse de l'estime de soi. C'est ce que je constate en consultation moi personnellement et ça entraîne beaucoup de frustration, d'incompréhension, de se dire mais pourquoi ça fonctionne pas. Alors qu'en fait, tout simplement, c'est la vérité. Ça fonctionne pas et c'est pas leur faute. Et il y a aussi une autre dimension, le côté dangereux de la chose, c'est qu'effectivement, perdre beaucoup d'eau comme ça, entraîner beaucoup de pertes de sels minéraux comme le sodium, le potassium, ça c'est dangereux pour la santé. Donc voilà. Et je rajouterais juste que ce qui fonctionne, c'est travailler son comportement alimentaire, se réconcilier avec la nourriture, se reconnecter à soi, à ses sensations alimentaires de faim, de satiété, de rassasiement, trouver un sport qui nous fasse plaisir, qui nous fasse du bien. Tout ça, c'est des choses qui fonctionnent pour perdre du poids de façon durable et sereine aussi pour l'aspect psychique. Elle a raison, Alice Hussonnois. Si moi je vous dis, ça c'est miracle, ça fait grave maigrir, ça va grave vous faire perdre du poids, en même temps, il faut que vous fassiez du sport. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire notre cerveau? Il va se dire, mais c'est génial, j'ai perdu 500 grammes après avoir couru pendant 30 minutes sur le tapis, c'est grâce à mon gâteau. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, bon, je ne savais pas que tu avais fait appel à une nutritionniste parce que j'avais fait appel à un coach qu'on aime bien ici. Oh. Bah ouais, qui s'appelle Abou. Et qui... Ah oui, Abou. Abou. Abou, basta Abou en fait. Oui. Donc on ne regarde pas ce que tu as dit alors. Salut à toute l'équipe d'Aja, j'espère que vous allez bien. C'est Abou encore une fois. Alors, je vais aller droit au but concernant les vêtements de sudation. Alors non, ils ne nous font pas perdre du bon poids. J'insiste sur le bon poids, pourquoi? Parce que ce genre de vêtements, en fait, ils sont là pour vous faire perdre de l'eau. C'est des vêtements de sudation et non de liposuction. En fait, si vous voulez, ces vêtements, ils empêchent votre corps de réguler sa température avec le contact de l'air. Donc forcément, quand la température du corps augmente fortement, ben il sue, hein. Sudation, pour vous faire perdre de l'eau. Et l'eau pèse, donc forcément, vous allez perdre du poids, mais ce n'est que temporaire. Derrière, vous vous réhydratez,
bim, vous récupérez votre poids initial. Surtout, pardon, juste par rapport à Sarah, il y a un truc, moi, qui me dérange, entre guillemets, c'est que quand elle faisait ce placement de produits gratuitement, elle disait, allez sur le site, c'est, tout est à moins 50%, allez-y, profitez-en. Elle n'était pas payée pour ça. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'elle a un code promo, elle a un code promo de moins 50%. Ouais, c'est... Ah, bah comme sur le site. Bah oui, comme sur le site. Ils ont donc retiré la promotion sur le site. Quel est l'intérêt de la marque de collaborer avec Sarah Frézou pour offrir la même promotion qui existait déjà? Donc c'est pour vous dire, il y a Anguille sous roche et à mon avis, Sarah Frézou est derrière ce site internet.